Bonjour à tous et à toutes. Je vais vous présenter différents exercices où vous pourrez reproduire chez vous avec vos parents, dans votre jardin ou dans un parc. A tout à l'heure. Premier exercice, vous essayez de trouver un mur. Je pense que vous avez pas mal de murs à trouver. Le premier exercice, ça va être de jongler pour le mur sans rebond par terre. Je m'explique. Plus vous êtes prêt, plus cela va être dur. Plus vous allez vous éloigner, plus vous allez avoir de facilité. Je monte. Comme vous avez pu le constater, je joue avec mon revers, côté avec, et ensuite côté pouce pour moi. Exercice. Deuxième exercice. Le même que le premier, sauf on va laisser un rebond par terre. Je répète, la distance, c'est comme vous voulez. Par contre, plus c'est près, plus c'est dur. Plus vous éloignez, plus ça va être facile. Deuxième exercice, ça va être rebond par terre. Et voilà. Troisième exercice. Là, j'ai mis des gobelets pour faire des obstacles. Dans les parcs, vous pouvez prendre des cailloux, des bouteilles d'eau, comme vous voulez. Le but, ça va être de mettre la balle sur la raquette, côté pouce pour voir, ou avec revers, comme vous voulez. Je vais montrer. Je l'ai fait en marchant. Maintenant, on peut le faire en courant, comme ceci. Voilà. Et vous pouvez le faire sous forme de relais. Ça veut dire que vous pouvez mettre un parcours là et un autre avec un copain et celui qui arrive le premier. Exercice. Vous allez jongler côté tout droit et côté revers. Il y aura plusieurs étapes. Je m'explique. Vous allez faire 10 jongles côté pouce tout droit, 10 jongles. Sans s'arrêter après les 10 jongles en tout droit, vous allez passer côté revers. Pareil, 10 jongles. Si vous avez réussi les 10 de chaque côté, vous retournez tout droit en levant la jambe. Vous en faites 5 avec la jambe levée. D'accord? Quand vous avez terminé vos 5 jambes côté droit, vous passez côté revers en changeant la jambe. Comme vous avez pu le voir, il ne s'est jamais arrêté. Si vous n'avez toujours pas fait tomber la balle, on continue à jongler. Mais cette fois-ci, on va marcher. Ah! Vous voyez, j'ai fait tomber la balle là. Donc, si vous l'avez fait avec un ami en duel, c'est notre ami qui aura gagné si lui l'a pas fait tomber avant vous. Donc, je répète, 10 jongles côté pouce pour moi, 10 jongles côté avec revers. Si vous avez réussi, vous faites 5 jongles en levant la jambe, 5 jongles en levant l'autre jambe en changeant de côté. Et si c'est toujours pas tombé, vous rejonglez en marchant le plus vite possible. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.